faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Moi c'est Louis Gaël Boris Barouin. Moi je suis le représentant des Chinois Yokougon, Sidesi, cité HBCI. Daichi, Berou Sama, Temistok, tu nous manques déjà. Tu nous as laissé orphelin dans le coupé décalé. Tu nous as laissé veuf dans le coupé décalé. Qui pour soulever ton trophée? Qui pour te représenter? J'ai tel un nom. Parce que tu es Enfriamento, c'est le Burisama. Tu t'es rendu compte que Burisama s'est incliné devant Daichi Khan. Automatiquement, tu es devenu Daichi Khan. Parce que Sao Tao ne peut pas s'incliner devant un tel artiste africain. Respect pour les artistes africains. Burisama, Temistok, Sao Tao le dictateur. Je t'aime, mon frère. Le Nigéra est la Daichi. Est une barbare pour moi. La Chine populaire était mon idole. C'était mon fan club. Je m'appelle la machine. Ils l'appellent la Chine populaire. C'est mon patin. On a perdu une grande barbare. La Chine est là. La Chine est là. La Chine populaire. Les gens ont entendu les bêtises sur nous. Prenons la Chine, c'est un nous-ci. Prenons nous-ci à l'épreuve, c'est un vagabondage. Je trouve que c'est bien organisé, vraiment. Il y a la sécurité. Et puis, ce qui m'a plu, c'est qu'à l'entrée, on fouille tout et chacun de nous, de la tête aux pieds, avant qu'on ne rentre. Vraiment, il y a la sécurité, il y a la sécurité. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Vraiment, je suis vraiment heureuse d'être ici. C'est la sécurité surtout qui m'a plu parce qu'on a fouillé tout un chacun de nous. Vraiment, je suis contente d'être ici. À moi, ma connaissance, le public est chaleureux et puis bon, l'ambiance est au top. Arafat, c'est le père des Chinois. Voilà, nous sommes ses enfants. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui à ses obsèques pour vivre avec lui. Arafat n'est pas mort. Arafat n'est pas mort. Le Daichi n'est pas mort. Voilà. Maintenant, concernant la sécurité, comment vous trouvez? C'est bon ou bien il y a comment En tout cas, la sécurité est parfaite, la sécurité au top. Et bien sûr, les gens qui ont cru qu'on venait ici pour un cafouillage, là, ils ont vu que bon, la sécurité a mis tous les dispositifs en place pour qu'on puisse bien passer les obstacles dans les meilleures conditions. Là, en Côte d'Ivoire, le père du coupé de Galles en Côte d'Ivoire. C'est le référent du coupé de Galles en Côte d'Ivoire. Le père du coupé de Galles en Côte d'Ivoire, pas l'homme pour lui. Lui qui a relevé le flambeau, lui qui a soulevé le flambeau de Côte d'Ivoire. Le poulet de la Côte d'Ivoire, le légendaire, El Monumento, le Daichi Khan. Il n'y a pas son camarade, le Dieu. Moi, c'est un artiste, c'est un DJ. Moi, c'est un Cassino, mais il y a voilà. C'est mon padre, respect à moi, le Dieu. Nous sommes venus rendre hommage à Arafat DJ
En fait, DJ, vraiment, c'est un grand monument de la musique ivoirienne. Et on est venu au nom du ministre, au nom de Aux Sources de Vie. C'est un exemple pour moi, il représente quelqu'un de bien, quoi. En tout cas, vraiment, moi, je fais partie de la Chine, donc pour lui, je me suis déplacée aujourd'hui spécialement pour venir au stade pour lui. Il faut dire que la mort de notre frère Arafat Didier nous a touché. Donc, en tant que citoyen de ce monde, il était important qu'on lui donne un grand hommage. Je viens de Divo spécialement. J'étais avec mon grand frère Al-Mustapha. Et nous disons à tous les Ivoiriens, à toute la jeunesse ivoirienne de venir ici au stade Félix Houphouët-Boigny pour rendre un grand hommage à ce citoyen qui a donné tout pour ce monde. Pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais à tout ce monde. Donc nous lui rendons hommage. Et nous sommes déjà sur place pour ceux qui craignent la sécurité. Nous sommes déjà sur place et il n'y a pas de problème ici au plateau. Le stade est déjà à moitié plein. On attend que vous. Il y a des fouilles, des forces de l'ordre, il y a la sécurité privée. Vraiment, il n'y a rien à craindre. La Croix-Rouge, on est là, tout le monde est là. Les jeunes filles, tout le monde est là. On attend les Chinois, Chinoises. On attend que vous venez nombreux pour qu'on fasse la fête. Kofi Olomide est là, Fally Ipupa est là, Dadju est là, Végédrum est là. Alors là, Davido vient d'arriver. On attend que vous. Bonsoir à tous. Là, nous sommes à la veillée de DJ Arafat. Nous sommes là pour son dernier hommage parce que c'est l'une des personnes qui a propulsé la musique ivoirienne très, très, très haut. Voilà, nous sommes là. C'est notre devoir de venir lui rendre un hommage. Moi, je suis là avec une troupe de danse pour, dans mon domaine, apporter mon savoir-faire. Voilà. Salut, c'est le groupe Gamme Cachée. Voilà, nous sommes bel et bien à la dernière veillée pour rendre hommage à notre Daïchikan national, celui-là même qui est comme un monument, le baromètre de la musique ivoirienne de la nouvelle génération des époques du coupé décalé. Vraiment, ça nous fait beaucoup,
c'est un sentiment de plaisir aussi, mine de rien, parce qu'un artiste ne meurt jamais. De voir tout ce monde-là venir ici pour lui rendre un dernier hommage au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est quand même grandiose. Un artiste ne mourra jamais. Tant que ses œuvres seront là, tant que la Chine sera là, son nom vivra. Merci encore Daïchi Kan. Salut à tous, moi c'est Razak Siloué, je suis un ami de Didier. Voilà, aujourd'hui on est tous frappés par le deuil et on prie Dieu pour que son âme repose en paix. Voilà, que Dieu l'accepte auprès de lui et que ce rappel à Dieu nous donne des leçons afin que nous apprenions à nous aimer de notre vivant. Il m'a laissé, ça me fait mal, man. Nous n'avons même pas discuté. Il a fait plus d'accidents, il a fait beaucoup d'accidents, beaucoup. Il est sorti vainqueur. Mais je ne sais pas pourquoi, ce petit moment quand il est parti, ça me fait tellement mal, je ne sais pas. Les mots me manquent, je jure, les mots me manquent. Bonsoir à tous, je suis ambassadeur Ras Julian. Mais Arafat fut un bosseur, c'est un fils. Je dis c'est un fils parce que sa mère est une grande sœur, son père Wompierre est un grand frère à qui nous avons tous bossé. Nous sommes venus rehausser sa mémoire car ce garçon a travaillé. Il a travaillé très dur. Il a apporté beaucoup à sa musique parce que étant lui-même un grand musicien, un grand joueur de la batterie, Arafat a su imposer avec la force et le courage son coupé décalé. Ouais, je me présente Dupro Francis Didier, alias Olopatia l'Empereur. Voilà. Oh Dieu, je suis ému, je suis ému. Quand je vois la foule, je suis ému. C'est ce que mon frère voulait. Mais le seul truc que je voulais, je veux que. On l'enterre dignement et tranquillement. Voilà, je veux que son âme repose en paix. On est là pour lui, pour poursuivre ses œuvres, tout et tout. Voilà, il a laissé plusieurs sons derrière en ensemble. Je présente M. Charles Condé, je suis animateur, MC, je veux dire maître de cérémonie par moment. Alors je pense que Arafat DJ, mon DJ est véritablement un artiste qui a apporté beaucoup à la culture ivoirienne. Vous le voyez, les autorités politiques, le peuple de Côte d'Ivoire, la jeunesse de Côte d'Ivoire est mobilisée, vous voyez cette belle mobilisation. Nous voulons vraiment saluer la mémoire de l'artiste et dire qu'aujourd'hui, c'était plus qu'un devoir pour nous de venir assister à cette cérémonie et qui va nous permettre de lui rendre un dernier hommage, l'hommage de la nation, l'hommage de la Côte d'Ivoire pour tout l'héritage culturel qu'il a pu nous léguer. Vraiment, il n'est pas mort, comme on le dit. DJ Arafat, forever, vous voyez, c'est inscrit sur le t-shirt.
nous sommes de cœur avec lui, que le Seigneur l'accompagne dans sa dernière demeure et que vraiment, voilà, il reste une légende. Il reste une légende pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, il reste un modèle. On voulait vraiment souhaiter vraiment que son âme repose en paix. Ici, c'est la guerrière de la Yorogank aussi. Nous aussi, on a lui. L'État est nous. Il crée les Gréas pour nous. Nous, on est fans de son Gréa. Vraiment, il a fait d'abord la jeunesse de l'Afrique. Et de Côte d'Ivoire, surtout. Vraiment, c'est un garçon, un guerrier. Ouais. Moi, c'est un vrai boxeur aussi. Et mon colonel aussi, c'est un boxeur de la Yorogank. Nous, on vit dedans. Donc, nous aussi, on a ça. On a la guerrière, on baisse pas bras. La Chine est là. Antioche. Yorobé, Fambé, la Chine est là. Tu veux pas, la Chine est là. Ouais. Si tu as trahi aussi, tu seras maté. Dieu au contrôle. Yorobé, repose en paix. Bras droit. Surtout aussi, courage. Parce que l'atome n'est pas facile. Courage à toi, bras droit. Courage, beaucoup, beaucoup courage à toi. Yul de Mix pour les intimes. Je suis le père spirituel d'Arafat. Sa mort vraiment nous marque. On a perdu une icône. Et quelqu'un, vraiment, tous les Ivoiriens vont manquer de ce Daichi. Le Daichi qui pleurait toujours, le Daichi qui parlait toujours, le Daichi qui encourageait toujours, le Daichi qui motivait toujours. Aujourd'hui là, c'est toute la nation qui est morte. Mais que son âme repose en paix. Il a laissé derrière lui tout le monde avec les possibilités. Il a une marque qu'on appelle le FAT. Et sa marque de vêtements, chaussures, chapeaux, tout. Tous les Ivoiriens doivent remarquer. Des mots me manquent en fait. Et Daichi reste Daichi. Il n'aura plus personne que lui. Avant que nous réfléchissions au principe de la vie et que nous ayons commencé tout le monde en fait la vie.
On va les personnaliser. Sur les réseaux sociaux, vous dormez pas, vous célébrez Arafat depuis 15 jours. S'il vous plaît, la Chine, faites du bruit. Nous autres, on a vu dans le bras de sa maman. Gauche. Donc, droite. C'est trop gauche. Mal. Tout ce que je peux dire, c'est Yabo à sa famille.
et puis que sa famille sache qu'on est là et qu'on sera à fond jusqu'au bout et je reste chinoise à vous. Je suis M. Sanogo Ibrahim, je suis l'oncle à la femme de Arafat. Bon ben, il n'y a rien à dire, vous voyez, le monde entier voit ce qui se passe. Hein. Donc, Arafat c'est un grand homme. Celui qui s'est battu, il a bien fait de lui donner le son. Alors, vraiment, les mots me manquent, mais bon, les faits sont là, tout le monde voit, le monde entier voit ce qui se passe. Vous ne pourrez rien parce que je démêle les. Il n'y a pas l'homme, mais il n'y a pas l'homme. Ouais, ouais. Ciao, ciao. Merci. Merci. Il y a le Kofi Olomide, le grand Mopao, qui est venu avec la délégation du Congo RDC. Honorable Zakari Baba Basoué. Merci, Yoro, merci. Voilà, ciao, ciao. Merci, merci. À Papa Ahmed Bagayogo. La Chine, je vous aime bien. Ça, c'est Bill Clinton. Merci à vous, la Chine. Moi, je suis un grand Chinois. Applaudissez, s'il vous plaît. La tchatoua la plus célèbre, une tchatoua. Le petit frère vous a montré à Tchamana. Tout le monde est sorti partout, partout, partout. Il y a des morts qui ont pris les taras. Louer sa yam Zokuru. Il y a des morts qui viennent des morts. Et il y a des morts qui viennent de Jess, de Gozo. Vous vous dites que voilà, il n'y a pas de tchatoua comme ça. Moi, je me rappelle de la tchatoua de Fujot Kassi. Après Phil, il y a eu Doub Sara. Là maintenant c'est le lasso place plus des tchatois. Bestade. Et puis tous les blasus sont là, les blasus sont assis. Et il a dit. Et mais quand il a dit, il s'est demandé si pour eux là même là. Il aura Djamana roi. Donc pour dire que le petit a marqué son temps, il faut le respecter. Respecter son voyage. Et puis voilà, vous créez quelque chose de hors série. Il s'en va content, il attend. Là, c'est le last. Merci à la Côte d'Ivoire, vous êtes les meilleurs, que Dieu vous bénisse dans ici forever. Je retiens de très très belles, belles, belles choses de Arafat. Je retiens de très beaux souvenirs, très taquin et surtout ambitieux, surtout très volumique du travail. Je ne parlerai pas de lui au passé parce que je pense qu'il vit toujours. Son œuvre va perdurer forcément. Et nous, en tant que collègues, amis, on se fera fort en tout cas de faire perdurer son œuvre parce que l'artiste ne meurt pas. Forever, à jamais Arafat. Salut, c'est Zouron Porio, DJ Kedjivara, à la veillée de mon frère Sang DJ Arafat. C'est beaucoup d'émotions et encore Yako à toute la Côte d'Ivoire. On est venu vibrer une dernière fois avec notre frère. Donc voilà, beaucoup de force à toute la famille et à toute la Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont pas de badge, les artistes, repartez dans les loges, on vous appellera et vous verrez l'arrière-scène afin que nous puissions continuer, les gars. Thank you.
Alors bonsoir la famille, ici Shadow Chris. Ce que je garde comme image d'Arafat, c'est une icône à jamais gravée dans nos mémoires. Et aujourd'hui, on a quelqu'un sur qui s'appuyer pour envoyer la musique ivoirienne au-delà des frontières, dans le monde entier. On a notre Bob Marley et je compte sur nous, les artistes, pour pousser la Côte d'Ivoire loin, 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 le plus loin possible. On est ensemble. Arafat, tu restes à jamais gravé dans nos mémoires. Thanks, God. Arafat représente beaucoup de choses, beaucoup de trucs pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout le monde entier a vu qu'un artiste peut drainer du monde. Il faudrait qu'on fasse un effort pour ne pas que ce genre de choses arrivent encore. Rouler sans casque. La Côte d'Ivoire doit mettre un système de sécurité en place pour ne pas que les gens puissent rouler sans casque parce qu'on vient de perdre une icône de la musique africaine. Tous ceux qui ne vont pas porter des casques pour rouler des motos, il faudrait qu'ils prennent des contraventions d'au moins 200 euros, 400 euros. Parce que j'ai mal, mon cœur saigne, que ton âme repose en paix, Arafat. Merci. C'est un battant, c'est un guerrier, il lâche rien. Il est toujours prêt à tout pour atteindre son objectif. Et c'est tout ce que je retiens pour lui. Salut Francky DiCaprio. DJ Arafat était pour le coupé décalé un soldat, un général. Il était pour la musique ivoirienne une sommité. Il était pour l'Afrique une fierté. Il était pour le monde, pour le reste du monde, une étoile filante. Que Dieu bénisse toutes ses œuvres. On est ensemble. Je suis sûr que vous voulez vous montrer tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut faire une autre? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux te voir l'entrée.
ce sera pour votre peuple. Pour vous, pour le président, pour toute la Côte d'Ivoire. Les Chinois disciplinés, les Chinois responsables. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Et admirer l'attitude, le comportement de la jeunesse ivoirienne, les Chinois. Ouais. Bravo, les gars. Ouais. Bravo. Ouais. Bravo. Ouais. Bravo. Ivoire TV, Ivoire TV.